et Jésus devient mon ami. Oh, ami de Jésus, oh, quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir je parle à Dieu que je ne vois pas, mais tu réponds. Oh, Jésus. Oh, qu'elle bénisse. Jésus est bien mon ami. Ami, quand d'autres amitiés cessent. Notre Dieu, Lord our God, notre ami fidèle, our faithful friend, l'ami fidèle Jésus, the faithful friend Jesus, l'ami qui ne nous trahira jamais, the friend that will never betray us, Jésus, Jesus, oh Dieu, oh God, ce soir nous voulons te dire merci. Tonight we want to tell you thank you. L'assemblée chrétienne de Charlotte te dit merci. The Christian Assembly of Charlotte tells you thank you. Chacun de nous individuellement, each one of us individually tell you thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank oh, you, Lord. God. Thank you, Lord. Oh, Seigneur. C'est bon de t'avoir comme ami. It's good to have you as a friend. Yes, yes, yes. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. 3 ans successifs de réveil. 3 years day for day for revival. Ce n'est qu'un bon ami qui peut donner à ses amis. It's only a good friend that can give it to us. Nous t'aimons, Seigneur. We love you, Lord. Nous t'aimons. We love you. Yes, yes, yes. Nous t'aimons. We love you. Yes, yes. Nous te disons merci. We tell you thank you. Tu nous as tellement bénis ce soir. Blessed us so much tonight. Nos cœurs sont dans la joie. Our hearts are in the joy. Yes, yes, Lord. Yes. T'avoir comme ami. To have you as a friend. Yes, yes. Tu yes. as béni tes enfants. You have blessed your children. Yes, my je king. Je suis témoin de cela. I am a witness of it. Et je te dis merci. And I tell you thank you. Thank you, sois my king. Sois loué, Père. Be praised, Lord. Sois glorifié. Be glorified. Sois béni. Be blessed. Sois acclamé. Be applauded. Sois exalté. Be exalted. Dans le Dieu de la Bible. You get of the Bible. Reçois toute la gloire. Receive all the glory. Merci parce que tu l'as fait. Thank you because you've done it. Donne-nous quelques minutes où tu vas nous parler à toi. Give us a few minutes that you're going to talk to us, Lord. Pour ta seule gloire et pour ton honneur. Glory and honor. Au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Qu'est-ce que vous pensez qu'on rentre ou qu'on exhorte un peu? Should we go back or exhort a little bit? Vous êtes trop fatigué? Are you too tired? Never for God. Never. Never. Donnez-moi même 45 minutes. Give me even 45 minutes. Ce n'est pas ma faute, c'est votre Dieu qui. Not my fault, it's your God. Qui a pris tout son temps. That took all his time. Je vous ai dit que c'est la fête. I told you it's the celebration. C'est la fête. That's the party. Yes. Yes. C'est la fête. That's the party. I'm loving it. 3 ans, c'est la fête. 3 years is the party. C'est la fête. That's the party. Yes, yes. Oh là là. Praise the Lord. On a été comme ça pendant 3 ans. We've been this way for 3 years. Amen. Je ne dis pas 3 jours. Not talking about 3 days. Je ne dis pas 3 mois. I'm not talking about 3 months. Je dis 3 ans. Talking about 3 years. Comme ça.
This way, praise the Lord. Come on now, come nous on. Nous baignons dans l'onction. We bathing in the anointing. Nous dormons dans l'onction. We sleep in the anointing. Nous nous réveillons dans le feu. We waking up on fire. Avant que tu parles, Dieu a déjà when parlé. When you speak, God already spoken. Avant que tu ailles à gauche. Where you go left. Dieu pousse ton cœur. Va à gauche. Don't you choose your heart, go left. Toi, tu penses que c'est moi qui le fais. It is me doing it. Mais là, Dieu dit que c'est moi qui le fais. Okay, then God say, I'm the one. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, my King. Vous vous sentez heureux? Are you feeling happy? Yes. Yes, yes, I'm happy. Quelle joie d'avoir un Dieu. Un Dieu comme un Jésus. Alléluia. Qui prend soin de ses enfants. Ses enfants. Veillant sur son héritage. Même quand tu étais sur le lit de l'hôpital, là. La fin, c'était donne-moi ton âme. Hey! Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom, c'est. Oh, son nom, c'est. Oh! Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Donnez-lui des acclamations ce soir. Give him a hallelujah. Give him a round of applause tonight. Hallelujah. Hallelujah. My. Dieu a déjà simplifié ma prédication. God has already made my preaching easy. Alors ça sera facile pour que vous it's le compreniez. Be easy for you to understand. C'est yeah. Facile parce que ce que vous voyez, it's, c'est la prédication. See, the preaching. C'est ça le but pour lequel le Saint-Esprit est venu. That the purpose why the Holy Spirit came. C'était pour que vous viviez ce que vous avez entendu. So what you have left. Oh là là. My. Bon, vous allez, nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Let us rise so we can get read God's word. Quand je suis venu, je me demandais est-ce que j'allais prêcher. When I came, I was wondering, am I going to preach? Un frère grâce, Dieu te bénisse. Brother Grace, may God bless you. Nous t'aimons. We love you. Merci. Jean 14. John 14. Praise the Lord. Oh. Le Canada là-bas, mais c'est in la guerre. Canada over there, it's the war. Oh là 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 là. Oh my. Nous avons la sœur Ruth et la sœur Berthe. Sister Ruth, Sister Berthe. La sœur Rose. Sister Rose. Le frère Willy. Brother Willy. La famille Diatezwa. Diatezwa's family. Donc, il y a une révolution au Canada. The revolution in Canada. Ils sont en train de nous suivre là. They are following us, they are watching us. Oh là là, là-bas c'est notre assemblée. There is an assembly, yes, yes. Et nous allons descendre là-bas. Shall go there, down. Shall go down there. Vous connaissez notre secret, non? You know our secret, right? Nous allons louer le bus. We shall rent the bus. Nous allons conduire jusqu'à Montréal. We drive to Montreal. Nous irons secouer Montréal. We shall go shake Montreal. Nous irons mettre le feu. We'll go put the fire in Montreal. Pour qu'on boucle Montréal. We're gonna buckle down Montreal. Tout ça l'investigation. Shall do some investigation. Celui qui n'a pas de papiers, nous allons le chasser. Whoever is illegal, we're gonna cast him out. Parce que c'est le diable qui n'a pas de papiers. Because it's the devil that is illegal. Le diable est sans papiers. The devil is illegal. C'est nous qui avons le titre de propriété. We have the title of ownership. Nous sommes les fils de la maison. We are the sons of the house. Yes, we are. Le diable est un épouvantail. The devil is a scarecrow. Il est un aventurier. He is an adventurist. Un intimidateur. A bluff. Dans cette église, nous lui rendons petit. In this church, we make him little. Il est petit. He is so small, little. Sa place est sous nos pieds. His place, so it belongs under our feet. Bother me, that's I'm the one. When I get in there, I'm not going to preach anymore. Jean 14, 14. John 14, verse 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. If you ask anything in my name, I will do. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
And I will pray the Father, and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. Ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Even the spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Voici, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. I will not leave you comfortless, I will come to you. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me because I live, ye shall live also. Dieu notre Père, God our Father, ajoute bénédiction à l'lecture de ta parole. Add a blessing to the reading of your word. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Pouvez vous asseoir. Maybe sit it. Je voulais parler sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. We wanted to talk about why was the Holy Spirit given. C'est un grand enseignement, mais je vais abréger ça. That's a great teaching, but I'm going to shorten it. Et je vais vous laisser partir à temps. I will let you go on time. Amen. Amen. Hier, nous avions parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Yesterday we spoke about what is the Holy Spirit. Et nous avions vu que le Saint-Esprit était une promesse. We said that the Holy Spirit is a promise. Que le Saint-Esprit était le sceau. The Holy Spirit is a seal. Le Saint-Esprit était notre consolateur. The Holy Spirit is our comforter. Il était notre repos. He's our rest. Il est notre joie. He's our joy. La paix. The peace. Et la résurrection. And the resurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Et le prophète dit, et tout ce que Dieu a promis à son église. That God has promised to his church. Se trouve dans le Saint-Esprit. Is it the Holy Spirit? Yes, yes. Amen. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est la condition pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Is the requirement to receive something from God. Le Saint-Esprit, c'est la promesse. The Holy Spirit is the promise. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. The Holy Spirit is God himself. C'est l'Esprit de vérité. That the spirit of truth. Que le monde ne connaît pas. That the world doesn't know. Et le monde ne le voit pas. And the world doesn't see him. Mais vous, but you, vous le connaissez. You know him. Cet esprit de vérité. The spirit of truth. C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Yes, yes, that's him. That's celui qui comprend qu'il dit amen. You want to understand, say amen. I say amen. 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 Et Frère Branham a fait hier. Brother Branham said yesterday. Que quand nous parlons de ce sujet, about the topic, nous sommes en train de parler de la guérison de l'âme. We're talking about the soul's healing. Nous ne parlons pas de la guérison we physique. Talking about the physical soul. Nous parlons de ce qui venait de se passer là. About what just happened. Une âme venait d'être guérie. Been c'est ça le but de ces réunions. That's the purpose of those meetings. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas du tout le réveil de it la chair. Not the revival of the flesh. Ce n'est pas pour la guérison it physique. Not for the physical healing. Mais c'est pour la guérison spirituelle. For the spiritual healing. C'est pour la guérison de l'âme. It is for the healing of the soul. Dieu venait de le dire. God just said it. Ma bénédiction. My blessing. Ce n'est pas seulement pour l'argent. Not only for the money. Mais c'est aussi spirituel. It is also spiritual. Est-ce que vous êtes avec moi? Use me. Je crois de tout mon cœur. I believe from my heart. Que ce soit that tonight, ce que vous allez recevoir. What you're going to receive. Ou ce que vous avez déjà what you already received. C'est plus grand que tous les biens matériels. It's greater than all the material gifts. C'est plus grand que les limousines. Greater than the limousines. C'est plus grand que les immeubles. Greater than the buildings. C'est plus grand que la bonne santé greater physique. Than the good health physical. Parce que because vous êtes dans le parvis très saint, dans le lieu très saint. You are in the whole very holy place. Là où vous conservez Dieu. You talk with God. Là où Dieu te parle. Where God speaks to you. Là où Dieu est en train de te bénir. He's blessing you. Ça dépasse même la vie. It's up of your life. Frères, brothers, il y a les gens qui ont cherché Dieu dans leur vie. There are some people who sought God in their life. Il y a les gens qui ont cherché. Some people à ce que Dieu puisse leur parler. Forget to talk to them. Il y a les gens qui ont cherché. Some people sought. À ce que Dieu devienne une réalité. Forget to become a reality. Pour leur vie. For their life. Mais toi, but you, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? What did you give to God? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? What did you do that is special? Pour que Dieu prenne soin de toi. Forget to take care of you. Prenne mes frères et sœurs. My brothers and sisters. C'est pas seulement de ma vie. It is more than the human understanding. Yes. C'est plus grand. That's greater. C'est plus grand. That's greater. C'est inimaginable. It's unthinkable. C'est au-delà de la pensée humaine. It's over the human mind.
Ce que Dieu est en train de faire what pour toi, for you, ça dépasse toute chose. It's over anything. J'ai une conviction dans mon cœur. Celui qui est préparé, ready, il ne rentrera pas vite. We'll go back for it. J'ai une conviction, a conviction que c'est réunion de réveil. C'est pour la bénédiction de quelqu'un. For the blessing of somebody. Yes. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Vous croyez comme moi? Do you believe like me? Yes, I believe, sir. I believe. Croyez. Believe you. I believe. Croyez simplement. Just believe. I believe. Tout ce que vous demande. All they ask you. Ce soir vous êtes des atouts right. Tonight you are hearing right. Vous êtes simplement des atouts right. You just hearing right. Yes, yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Atouts right. Hearing right. Elle a dit à William Branham. She told William Branham. Tout ce que tu as dit. Anything that you say. Moi atouts right. Me hearing right. J'ai dit amen. I say amen. Je crois simplement. I just believe. Yes. Et ça a déclenché la réaction de Dieu. Start of God's reaction. Parce qu'elle a cru. Because she believed. Elle a accepté quelque chose de difficile. She accepted something difficult. Demande-la de dire tout ce qu'elle veut. Ask her to say anything she wants. Mais ça c'est le troisième point. Now the third point. Yes, yes, yes. Yes. Alléluia. Amen, amen. Dis tout ce que tu veux. Say anything that you want. Après m'avoir élevé. After lifting me up. Après m'avoir adoré. After worshiping me. Après avoir dansé pour moi. After dancing for allez, me. Dis tout ce que tu veux. Tell anything that you want. Praise the Lord. Je vais te l'accorder. I'm going to grant it to you. Come on now, come on now, come on now, come on now. Nzambe za malam. God is good. Yes, he's so good. Il est bon. He's good. Yes, yes. Il est tellement bon. He's so good, brothers. Yes, il est tellement bon. He's so good. Yes. Ça c'est un privilège. This is a privilege. Yes. Pour toi ma sœur. For you my sister. Pour yes. Toi mon frère. For you my brother. Yes it is. C'est pourquoi sois très attentif. That's why be very careful. Que ça ne te passe pas. Let it not go over you. Non, tu dois saisir cette opportunité. You have to catch this opportunity. Seigneur, je ne suis pas venu ici en vain. You didn't come here vain. Non Seigneur. Je ne vais pas rentrer mes vies. I'm not going to go. Non Seigneur. No no. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. I didn't come to escort anyone. No. Quelque chose doit se passer. Something has to happen. Something must happen. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Something gotta happen. Même si j'ai des péchés. Even though I've sinned. Mais c'est toi qui peux m'aider. But you're the one that can help me. Même si j'ai des erreurs. Even though I have errors. C'est toi qui peux m'aider. You're the one that can help me. Même si j'ai des faiblesses. Even though I have weaknesses. C'est toi qui es ma force. You are my strength. Yes, you are the one, my Lord. Il est ma consolation. My consolation. Il est mon repos. He is my rest. Après ce réunion de réveil. After this revival speak. Tu dois entrer dans le repos. You have to get into rest. Tu dois te reposer. You have to rest. Frère Jules. Brother June. Honorable Jules. Honorable June. Tu dois entrer dans le repos. You have to get into the rest. Seigneur, maintenant c'est le repos. No, now it's the rest. C'est le repos. It is the rest. Je suis fatigué de problèmes. I'm tired of trouble, yes. Fatigué de soucis. Tired of worries. Fatigué de raisonnements. Tired of reasoning. Maintenant que j'ai le Saint-Esprit. Now I have the Holy Spirit. J'ai besoin du repos. I need the rest. Yes. Yes. C'est le repos. That the rest. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est celui qui venait de vous consoler ici. He wanted to just comfort you here. C'est le consolateur. That's the comforter. Yes, that's him. Il te console. He comforts you. C'est moi qui t'avais poussé de le faire. I that pushed you to do. Et je t'avais déjà béni. And I already blessed you. Tu as besoin de l'obéissance. God is your yes, yes. Parce que tu sens une douce joie de lui va à gauche. Gentle voice tell you go left. Vas-y, fais-le. Go to it. Yes. Yes. Cette voix-là n'insiste pas. That voice does not insist. No, 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 no. Cette voix-là parle calmement. That voice speaks calmly. Donne-moi de l'eau à boire. Give me water. C'est calme. That's quiet. N'insiste pas. Doesn't insist. Oh non, j'ai pas de moyens. I don't have means. Le peu que tu as là. The little that you have. D'abord Dieu. God first. Yes. Yes. God first. God first. Yes. Yes. Le reste ça vient. The remaining is going to come after. Le peu de courage là que tu as. The courage that you have. Utilise ça pour Dieu. Use it for God. Yes. Yes. Le reste. Oh my. Le point pas soin. He's going to take it. Yes. 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 Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est ta paix. That's your peace. C'est ta réponse. That's your answer. C'est la solution à tes problèmes. That's the solution to your problem. C'est la joie. That's the joy. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est le repos. That's the rest. C'est Dieu qui habite dans l'homme. It's God dwelling in the man. C'est Dieu qui conduit l'homme. It's God leading the man. C'est Dieu qui te dit va à droite. God telling you go left. Et va à gauche. Go right. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est Dieu. It's God. Yes. Qui marche dans un homme. Working in a man. Yes. Ce yes. N'est plus un homme qui vit. No more a man living.
No, non, no, mais c'est Dieu qui vit. It's God living. Yes. 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 Dans votre foyer. In your household. Ce n'est plus toi qui vis. It's not ce n'est plus ton mari qui not vit. Your living. C'est Dieu qui vit dans tous les dégâts. You're living in both. Mais vous devez être dans la paix. But you have to be in peace. Yes. 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 Vous devez yes. être dans la joie. You have to be in the yes. Yes. Ça veut, j'ai envie de sauter. You know, I feel like je suis en train de me retenir. I am containing myself. J'ai envie de courir. I là. Feel like running. Oh là là. Oh my. Parce que je me sens tellement émerveillé. I'm feeling so amazed. J'ai besoin de plus que de prêcher parce que I need to preach because c'est grand. That's great. Si vous ne réalisez pas ça, moi je le réalise. I myself I realize. Yes, that's c'est great. Grand. That's great. So great. Great. C'est grand. It's great. Pour nous le Saint, j'avais dit. I said. Que cette fois-ci ça va dépasser. This time it's going to be more. Le dimanche. Sunday. Serrez la ceinture. Just to fasten your seat belt. Ça va chauffer. It's going to heat up. Nous serons ici jusqu'à même minuit. Shall be even until midnight. Ça chauffera très it's bien. Going to heat up. Yes, yes. Vous êtes prêts pour ça? Are you ready? I am ready. Lundi c'est férié. Oh, Monday is a holiday. Dieu a très bien arrangé ça. God fixed it so well. Il est parfait. He's perfect. Je lui dis que cette fois-ci, ça doit dépasser. Saying you this time, it gotta be more. Parce que Dieu est devenu de plus en but plus. God has become more and more real. Le Saint-Esprit te conduit. The Holy Spirit leads you on. Va à gauche. Go left. Va faire ceci pour moi. Go do this for me. Mais quelle différence y a-t-il? What difference is there? Entre toi between you et la veuve de Sarepta. And the widow of Sarepta. Quelle différence? What is the difference? Si tu refuses un peu, if you don't want a little, Dieu vient te conduire. God comes hit you. Aimer. Amy. J'avais dit quoi? What did I say? Cette maison-là, c'est pour his moi. House is mine. Hallelujah! Praise the Lord. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est la paix. That's the peace. C'est la solution. That's the solution. Vous qui avez le Saint-Esprit, you that have the Holy Spirit, vous ne pouvez plus pleurer. Cannot cry anymore. Non, vous avez la paix. You have the peace. Quand le problème, même si c'est grand, even it's great. Le Saint-Esprit adoucit ça. The Holy Spirit soften it. Il va te montrer que c'est facile. He's going to show you it's easy. Tu peux surmonter ça. You can get over it. Même quand les gens sont en train when de parler mal de toi. Even of le Saint-Esprit te dit mais c'est rien. The Holy Spirit tells you it's nothing. Tu peux même aller. Ça va passer. It's going to go. Yes, yes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? Is your shield. C'est ton bouclier. Your rock. Le rocher. Quand le malheur arrive, when the war happens, c'est pas toi qui combat. You're not the one fighting, no. C'est lui-même qui se met là. He's the one standing there. Moto amakasi wa simba bomo inangai. The strong man that is holding my hand. Elombe. The hero. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Plus grand que Lucifer. Greater than Lucifer. Plus grand que l'enfer. Greater than hell. Quand il est dans la vie de quelqu'un, when he's in somebody's life, le démon viendra d'où? The demon, where is he going to come from? Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Oh là là, je me sens bien. Oh my, I'm feeling well. Vous aussi? Yes, well, yes. Alors ce soir, je parle sur. Tonight I'm talking about. Pourquoi cet esprit-là a été donné? Why was that spirit given? Vous avez compris hier, non? Did you understand yesterday? C'est quoi yes. cet esprit-là, n'est-ce pas? What is that Holy Spirit? Mais non, on se demande pourquoi. Now, we ask why. Cet esprit a été envoyé. That spirit was sent. Et puis ça mis pour nanini. Why was it given? Pourquoi? Why? Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Why do we need the Holy Spirit? Frère Branham dit, Brother Branham says, que Dieu avait besoin de la communion. That God needed the fellowship avec ses enfants. With his children. Dieu, God, il aime le moment que nous venons de passer. He loved the time that we're spending here. Que vous êtes en train d'adorer. That you are worshiping. Et lui, il est là. And he's there. Asako punja punja. He's rejoicing. J'aime un sorcier. I love the sorcerer. J'avais vraiment apprécié pourquoi il était really appreciate why he was a parce qu'il m'a dit quelque chose que j'avais aimé. Something that I loved. Il a dit pasteur. He said pastor. Tu sais quand vous êtes en train de parler là. You know when you're talking. Il y a les anges qui sont partout. Angels that are everywhere. Sur la chair là il y a des anges. The pulpit are angels. Même dans la salle il y a des even anges. In the rooms there are angels. Mais quand vous commencez à adorer when Dieu. When you start worshiping God. Dans moins d'une seconde. In less than a second. Tous les anges disparaissent. All the angels disappear. Mais c'est Dieu lui-même. But it's God himself. Il descend dans la salle. Comes down in the room. Et attend dans la salle. And is filling the room. Et à ce moment-là. It's a time. Nous on n'a rien à faire. As we cannot do anything. Il a dit même Lucifer. He said even Lucifer. À ce moment-là. It's a time. Il a peur d'entrer. He's afraid to come in.
going to wrap you. Where is he going to come from? Every when we worshiping him, Dieu est là. God is there. Il dit à Gabriel. He tells Gabriel. Sois là. Go back. Michael. Michael. Mata. Bang. Quick. Go. Ce sont mes enfants. These are my children. Je suis mort pour eux. I have died for them. Yes. Ils sont en train de me lever. They are worshiping me. Tu n'as pas le droit d'écouter. Hein? You cannot listen to that. Allez monter. Oh God. Là lui-même il descend. Then himself he comes down. Je devais crier fort. Then I shout loud. Why be shy? God of heaven. Et puis voilà. He say, voilà. Oh, come on now. You see that? Quand tu dis toi ça qui était là. When you said that. Ils ont dit merci. He said they said thank you. Et puis voilà. He said that's it. L'homme, the man, est un homo. That's the man. Le man, l'homme. Dieu, God, il aime la communion. He loves the fellowship. Yes, he does. Dieu aime avoir ses enfants. God loves to see his children. Avec qui il va communier. With whom he's going to fellowship. Il va les parler comme il nous a parlé. He'll talk to them the way he spoke to us. Ce qui se passe là, c'est Dieu. What is happening is God. C'est Dieu sur toute la ligne. That's God over everything. Je vous dis la vérité. I'm telling you everything. C'est Dieu. It is God. Dieu aime la communion. God loves the fellowship. Dieu veut être avec ses enfants. God wanna be with his children. Dieu veut causer avec eux. God wanna chat with them. C'est ce qu'il faisait dans le jardin. That's what he was doing in the Garden of Eden. Dieu descendait chaque soir. God was coming down every evening. Il était en train de chercher Adam. He was looking for Adam. Et il parlait avec Adam. He was talking with Adam. Adam, Adam, comment ça va? How are you doing? Comment a été la journée? How's the day? Et il parlait très bien avec Adam. I was talking very well with Adam. Parce que Dieu aime la communion. Because God loves the fellowship. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Mais, but, il est arrivé un temps. There is a time. Où le péché était entré. Where the sin stepped in. Où Dieu. Where God était fâché de l'homme. Was angry at the man. Parce que l'homme s'était éloigné de Dieu. Because the man went astray. L'homme avait désobéi la voix de Dieu. Disobeyed God's voice. Mais Dieu. But God. Étant plein d'amour. Being full of love. Dieu. God. Qui n'aime pas perdre son enfant. God doesn't like to lose his child. No matter what's happening in your life. Perhaps what's happening that has. Dieu n'acceptera pas ta perte. God won't accept your loss. Non, monsieur. No, sir. Dieu te cherchera. God will look for you. Peu importe là où tu iras. Doesn't matter where you will go. Peu importe où que tu peux te cacher. Doesn't matter where you're gonna put your. Dieu viendra. God will come. Il te fera sortir. He's gonna take you out of it, of there. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Un enfant de Dieu. A child of God. Il est dans l'économie de Dieu. He's in God's economy. Il est dans les programmes de Dieu. He's in God's plan. Dieu ne le perdra jamais. God will never lose him. Jamais. Never. Alors malgré que la mort était arrivée. Despite the death coming. Mais Dieu avait fait la promesse. But God made a promise. Il avait dit qu'il allait envoyer un sauveur. He said he'd send a savior. Pour sauver l'homme. To save the man. Pour racheter l'homme. To redeem the man. Yes. Pour yes. Que l'homme revienne à la communion avec Dieu. So the man can come back with the fellowship. Pour que Dieu descende. So God can come down. Et l'appelle par son nom. And called him by his name. Généreuse ma fille. Generous my daughter. Kinzunga mon fils. Kinzunga my son. C'est ça le but pour lequel. That's the purpose why. Le Saint-Esprit a été envoyé. Was sent. That's right. Pour rétablir la communion. To reestablish the fellowship. Avec son peuple. With his people. Pour que Dieu te parle. So God can talk to you. Pour que Dieu prenne soin de toi. So God can take care of you. Il y a des soins et des soins. There are some cares and some other cares. Je vous dis vrai. Telling you the truth. Il y a les soins que les chrétiens ont. There are the cares that the Christians have. Et il y a aussi des soins que les enfants de Dieu ont. And there are the cares that the children of God have. C'est différent. That's different. Je vous dis franchement. I'm telling you frankly. Mais frère, mon homme l'a dit. Brother, I'm saying it. Pour commencer, il y a une différence entre un chrétien. To begin with, there's a difference between a Christian. Qui n'a pas le Saint-Esprit. That doesn't have the Holy Spirit. Et un chrétien. And a Christian. Qui est battu.
baptisé du Saint-Esprit. That is baptized with the Holy Spirit. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe that? Brother Branham say. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. A Christian without the Holy Spirit. Pour commencer, Dieu ne l'a pas encore agréé. To begin with, God hasn't agreed with him. Il est seulement en voie de devenir chrétien. He is just on the way to become a Christian. Il fait profession de croire. He makes a profession to believe. Mais en réalité, il n'est pas chrétien. But in reality, he's not a Christian. Mais un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est quelqu'un que Dieu a agréé. It is somebody that God has approved. Quelqu'un que Dieu a aimé. God, somebody that God has loved. Quelqu'un que Dieu a choisi. Somebody that God has chosen. Quelqu'un en qui Dieu a placé sa confiance. That's somebody that God believes in. C'est quelqu'un que Dieu croit en lui. It is somebody that God believes in. Et Dieu lui donne le Saint-Esprit. And God gives the Holy Spirit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, you don't have the Holy Spirit. Tu n'as pas encore gagné la confiance de Dieu. You haven't got God's confidence. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes. Alors tu dois faire l'effort. You need to make an effort. De ne pas être un chrétien de comment? De non. Do not be a Christian just by name. Un chrétien de profession. A Christian of profession. Tu dois être un vrai chrétien. You need to be a genuine Christian. Baptisé du Saint-Esprit. Baptized with the Holy Spirit. Ayant la vie de Christ en toi. The life of Christ in you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Les gens qui causent des problèmes dans les églises. People who cause trouble in the church. Ce sont les gens qui s'appellent des chrétiens. That's people who call themselves Christians. Mais n'ayant pas reçu le Saint-Esprit. That's right. C'est eux les troubles dans l'église. That's the troubles in the church. Souvent ils sont des hypocrites. Often they are hypocrites. Mais quand quelqu'un arrive. When somebody comes. Jusqu'à rencontrer le bâton lui-même. Meets the boss himself. Et que le Saint-Esprit est entré dans son cœur. Comes in his heart. Il devient une nouvelle créature. He becomes a new creature. Tout change. Everything. Ce n'est plus lui qui vit. No more him living. Mais c'est Christ qui vit. It's Christ living. Ce n'est plus lui qui marche. No more him walking. C'est Christ qui marche. It's Christ walking. Ce n'est plus lui qui parle. No more him speaking. C'est Christ qui parle. It is Christ speaking. Ce n'est pas lui qui pense. Not him thinking. C'est Christ qui pense. It is Christ thinking. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Mais pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été accepté? Frère dit ceci, says this, au paragraphe 29, paragraph 29. C'est comme ça que Dieu a fait. That's how God did it. Il a suivi ses propres lois. He followed his own laws. Dieu ne peut pas suivre. God cannot follow. Vous donnez une loi à suivre. Give you a law to follow. Et and lui him en suivre une autre. To follow another one. Non. No. Il suit ses propres lois. He follows his own laws. Dieu suit ses propres lois. God follows his own laws. Dieu respecte ses principes. God respects his principles. Dieu God est un esclave de sa parole. He is slave to his word. Dieu God est condamné à tenir à sa parole. He is condemned to hold on to his word. Pour qu'il reste Dieu. So he can stay God. Parce que sa parole. Because his word. Et lui. And him. Égal à un. Ah, just one. Dieu ne peut pas défier ses lois. God cannot go on the side of his law. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Alors. Then. Dieu. God. Pour racheter l'église perdue. To redeem the lost church. Le monde perdu. The lost world. La création perdue. The lost creature. Dieu. God. Qui est infini en esprit. That is infinite in the spirit. Pour racheter la race humaine perdue. To redeem the humankind that was lost. Dieu. God. Lui-même. Himself. Est devenu un parent. Became a parent. Un homme. Amen. Un fils qu'il a créé. A son that created. Dans le sein de Marie. In the womb of Mary. Et là. And then, il a donné un signe. He gave a sign. Un témoignage. Or a testimony. À l'extérieur des portes de Jérusalem. Outside of the gates of Jerusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre. He lifted up between heaven and earth. Et il est mort. And he died. Il a tout racheté. He redeemed all. Et par son sang. And by his blood. Il a sanctifié une église. He has sanctified a church. Dans laquelle. In which. Il puisse vivre lui-même. He can live himself. Et avec qui. And with whom. Il puisse fraterniser. He can fellowship et en être en communion and to fellowship with us. Ce lieu de communion that place of fellowship qui était perdu depuis le jardin d'Eden où Dieu descendait chaque soir coming down every evening, à l'heure de la réunion in the time of the meeting. Dieu l'a racheté. God has redeemed it. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you sure? Yes. Dieu, God, il s'est livré un témoignage. He delivered a testimony. Entre ceux et la terre. Between heaven and earth. Il est mort à cause he de toi. Because of you. Il est mort à cause he de died moi. Because of me. Pour nous sanctifier. Sanctify us. Afin que nous puissions retourner so en Éden. Go back in Eden. La
où Dieu peut descendre et parler avec toi speak with you, et avoir communion avec toi with you, dans la prière. In the prayer. Quand tu es en train de prier, when you pray, tu es dans la communion avec Dieu. You are in the fellowship with God. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You understand what I'm saying? Mes frères, my brothers, il y a une grande différence entre la prière de celui qui a le Saint-Esprit et la prière de celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il se met à prier, when he starts praying, William Branham a dit, William Branham said, ce n'est pas moi qui prie, c'est Jésus it is Jesus qui est en train de prier en moi. That is praying in me. Hey. And oh, je me sens bien. I'm feeling well. Parce que moi, because me, je n'ai pas de mots exacts. I don't have exact words. Pour exprimer ce que je veux. To express what I want. Alors oui, so him, par le subir, by the inexprimable, the expressible language, il va prendre le dessus de mon cœur. Il va mener sa chose. Notre avocat, our attorney, notre avocat, advocate, celui qui est notre intermédiaire, is our intermediate, Jésus, Jesus, yes, yes, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, praise the Lord. Vous vous sentez bien? Are you feeling well, yes, sir? La prière, the prayer, du juste, of the righteous, a une grande, is a great, efficacité, efficiency. La prière, the prayer, de celui qui est baptisé du Saint-Esprit, is the Holy Spirit, ce n'est pas ta prière. It's not a prayer. That's right. No. Ce n'est pas ta prière. It's not a prayer. Quand tu te mets à genoux là, when you kneel down, pour commencer, to begin with, c'est pas toi qui veux se mettre à genoux. You're not the one that wants to kneel down. Il y a quelque chose qui te dit. There's something that reine, I mean, c'est le moment. It's time. Mets-toi à genoux down, dans la prière. In the prayer. Ce n'est pas toi. It's not you. C'est Dieu. It's God. Il te dit va dans la prière. Telling you get in the prayer. Et quand tu vas pour ta genoux, when you go kneel down, lui-même il vient. Himself comes. Tu commences par sentir le feu. Start feeling the fire. Tu sentis que tu sens un peu de fraîcheur. You feel some freshness. Non, ma lune, mon robot. You sell yourself. Tu sens que tu n'es plus toi. Feel that it's not tu sens que tu es sorti de là. Feel that you came out of it. Alors ce n'est plus toi qui so prie. That you pray. C'est Dieu. It is God. Quelque part ici, Fabien m'a dit. Somewhere I'm saying. C'est lui qui te fait parler. He's the one making you speak. Ce n'est plus toi. Not you. Non, c'est lui. Not it's him. Avec des mots exacts. With exact word. De forme toi-même tu te disais, quand je commencerai à prier, je vais maudire cet homme-là. I'll curse that man. Mais quand tu es dans la prière, Seigneur, je bénis cet homme. I bless this man. Seigneur, je bénis cet homme. Ce n'est plus toi. Not you. C'est Dieu qui commence à parler. Please just start speaking. Mon obélina yo. Your attorney, ton avocat, your attorney, c'est lui. That's him. Il prie même à ta place. He prays on your behalf. Le Saint-Esprit lui-même, the Holy Spirit himself, prie à ma place, prays for me, dans les langues inconnues, in unknown languages. Oh, quel moment glorieux. What the glorious times. Quand moi je suis en prière, when I am in the prayer, oh, dans les lieux célestes, in heavenly places. Pas n'importe quelle prière. Je parle de la prière des saints. La prière de celui qui est baptisé. Is baptized. De Dieu lui-même. By God himself. Ce n'est pas toi. It's not you. C'est pas toi qui menace le diable. It's not your friend in the devil. En fait, in fact, celui qui est le Saint-Esprit. Ta vie devient compliquée. Your life becomes complicated. Tu ne sais plus quand c'est toi qui parles. You know when you do what speaking. Ou quand c'est Dieu qui parle. Or it's God speaking. Quand tu m'as dit qu'il y a une pensée qui m'a dit, tu as dit que c'était moi. God said it was me. Ce ne sont plus tes pensées. No more. C'est compliqué. It's complicated. C'est compliqué. It is complicated. C'est compliqué. It is complicated. J'ai dit toute l'église. I saw the church. Vous serez en orange. You're gonna be in orange. En bleu. Blue. En vert. Green. D'accord. D'accord. Okay. Okay. Nous ferons la fête tel jour. We have the party this d'accord? Day. D'accord. Okay. Okay. Nous allons louer trois limousines. We shall rent three. D'accord. D'accord. Okay. Okay. Nous allons faire ça comme ça, so comme ça, this, comme this ça. Is which? D'accord. Okay. D'accord. Okay. Arrivons à la salle de fête. So we got at the party. Je suis descendu. God came down. À ta piste. At the piste. Je suis très content. I am so happy. Parce que tu l'as fait. Because you did. Exactement comme je voulais. Exactly the way I wanted it. J'aime ça. J'aime ça. Oh my! Oh my! Oh my! 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 Comment est-ce que moi je peux penser? How can I think? Que Dieu voulait que tu t'habilles comme moi j'avais dit. For you to dress the way I said it. Comment? How? Donc si tu avais résisté, so if you resist, tu n'aurais pas résisté à moi. You don't resist to me. À cet homme. By this man.
C'est glorieux. That's glorious. C'est glorieux. That's glorious. Quand tu as le Saint-Esprit, même dans ta famille, even in your family, tu deviens mystique. You become mystic. Mystérieux. Mysterious. Quand elle te regarde, when they look at you, dis ah, attention. They say be careful. C'est que Ruth va dire. What Ruth is going to say. Ah, il faut te considérer. We need to consider it. Ah, attention. Be careful. Mais tu es Dieu. But you have God. La chose qui fait peur aux gens, the thing that is fear, ce ne sont pas tes muscles. It's not your muscles. Et l'homme. The hero. Si c'est garissé dans ta vie, life, aucune porte ne te sera fermée. The gate is be close to you. Parce que pour commencer, to begin with, c'est lui qui marche devant toi. The one walking in front of you. C'est ce qu'on avait lu. That's what you read. Il est devant toi. He's in front of you. Tu pars là-bas au travail. You're there at work. On est en train de t'envoûter. They be reaching you. Tu fais une prière de mercredi. Of Wednesday. Il descend. Comes down. Puis j'ai dit prier pour aimer. So c'est tel. Il a fait comme ça, comme and ça, comme this, ça. This and that. Ton séparateur, and we shouldn't be happy. Hein? Oh. Ton séparateur, and we won't be happy. Réveille sa goût. The revival is good. Réveille sa bien. The revival is good. Yes, yes, very good. Very good. Dieu, God, veut want la communion. The fellowship. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. That's why he sent the Holy Spirit. Pour purifier une église. Cleanse the church. Sanctifier un peuple. Sanctify people. Que ce peuple-là devienne saint. People to become holy. Pour que Dieu descende. For God to come down. Que Dieu ait la communion God avec God lui. Have the fellowship with him. Avec ce peuple-là. That people. Vous croyez à ça? Do you believe that? I do. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est très important. That's very important. Très très important. Very important. Faut mon homme dit que c'est très important. Brother Bram says it's very important. Quelque part là il a dit que you don't have a choice. Tu n'as pas de choix. No, I don't have a choice. Tu dois avoir le Saint-Esprit. You must have the Holy Spirit. You must. Tu dois. You don't have a choice. Tu n'as pas de choix. Non, 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 non. Je n'en ai pas. Tu continues là à venir à l'église jusqu'à keep quand? Coming to church at... Vraiment, vraiment. Non mais, come on. L'église ce n'est pas une routine. The church is not a routine. No, no, I don't want that routine. Non, no, no. Ce n'est pas une habitude. It is not a habit. Chaque jour du culte. Every day of the service. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Something special. On ne peut pas venir du lundi jusqu'à dimanche. C'est la même chose. It's the same thing. No. C'est une routine. It's a routine. Nous savons que de 9h à 9h30, you know, 9 to 9 on chante quelqu'un quand il y a d'adoration. De 9h30 à 10h. Frère, brothers, si vous voulez avoir une église qui n'a pas d'horaire, c'est cette église. It is this church. On n'a pas de jour fixe pour l'église. On n'a pas les heures fixes. We don't have the fixed hours. Nous savons l'heure à laquelle nous commençons. You know the time that we started. Mais pour terminer, but to finish, c'est Dieu. That's God. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Comment? Je n'ai pas lié dans ton programme. Je n'ai pas lié dans ton horaire. Non. Dieu d'abord. God first. Dieu d'abord. God first. Dieu d'abord. God first. Dieu d'abord. God first. Oh non, frère, madame a dit, on va chanter ce matin. Après le prédicateur, then the preacher is gonna come. Mais c'est bien. That's good. Mais quelles sont des cantiques? What kind of song? Quelles sont des cantiques? What kind of songs? Non, donnez un peu d'espace au Saint-Esprit. Give space to the Holy Spirit. Que Dieu puisse mouvoir. Let God move. Le prédicateur doit prêcher avec l'onction. The Spirit with the anointing. S'il n'y a pas d'onction, dit, somba. Just sit down. Forget it. La chose qui changera la vie de nous, ce n'est pas le français de quelqu'un, ce n'est pas l'anglais parlé, ce n'est pas le courage de l'homme, c'est l'onction qui est dégagée dans la prédication. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, somba. Just forget it. Pourquoi le Saint-Esprit est venu pour donner l'onction au prédicateur? Un prédicateur qui prêche ce message pour Malachi 4 pour avoir l'onction et la mécanique et la dynamique. Il ne peut pas voir ce matériel et les théories et la pratique. And the practice. Yes. Je peux entendre un amen. Can I hear your amen?
Oh, frère Branham a dit. C'est bien. That's good. Mais frère Branham a dit. Brother Bram says. J'étais parti en Inde. I went in India. Yes, yes. Devant les Bouddhas. In front of Buddha. Devant les magiciens. In front of the magicians. Devant les religions confondues. The people. J'ai appelé un aveugle. I've called the blind. J'ai dit aveugle, viens. I told blind come. Mets-toi là. That's me there. Parmi vos religions. Among your religions. Là où Dieu se retrouve. There where God is found. Guérissez cet homme. Heal this man. Ça c'est plus que la citation. This is more than the quote. Ça c'est plus que Branham a dit. This is more than Branham say. C'est plus que ça. It is more than that. Branham. C'est le véritable. It's the true. Qui nous a appris. That is. Comment détruire le règne de l'ennemi. How to destroy the reign of the enemy. C'est lui qui nous a appris la papologie. He taught us to destroy. J'ai dit la vérité. I said it, yes. Allez lire la prédication. Yes, yes. Dieu parla à Moïse. God speaking to Moses. God talked to Moses. Dieu parla à Moïse. Dieu a dit à Moïse. God said Moses. Moïse. Moses. La terre vous appartient. The land is yours. Le pays vous appartient. The land is yours. Mais avant d'y arriver, il y a le chébicien. There are the chébicien. Il y a les années, le chébicien. Il y a le géant. There are the géant. Il y a de ceci. There are this. Avant d'arriver là-bas, before you get there, détruisez. Destroy them. Tuez-les. Kill them. Même s'il est un enfant. Even there's a child. N'attendez pas qu'il grandisse. For him to grow. Tuez-les. Kill him. Personne ne peut me dire le contraire. No, le pays t'appartient. Mais tu dois te battre. You have to fight. Pour gagner. To gain. Centimètres. Centimeters. Par centimètres. After centimeters. Yes. On a cru le message. We believed in the message. Et c'est fini. And it's over. Ce n'est pas fini. It's all over. Branham a dit. Branham said. Quand toi tu dis. When you say. J'ai reçu le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Et c'est la règle de la question. That's the question. Branham a dit. Branham said no. Pas chez moi. Not me. Not me. No. J'ai les citations. I have the quote. No. Il a dit, je dois avancer. Yes, I have to move on. Je dois avancer. I have to move on. Avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est un esprit qui entre en toi. The Spirit coming in. Mais tu dois faire grandir ça. But you have to let it grow. Tu dois monter des niveaux. You have to go up. Tu dois aller au front. You have to go to the battle front. Tu es caporal. You are corporal. Tu dois revenir. Tu dois changer. You need to change. Jusqu'à atteindre un major. Until you become jusqu'à major. Atteindre un général. You become general. Général à 4 étoiles. Only 5-4 stars. Comment tu y arriveras? How did you get there? Par la papologie. By the destruction. Tu ne fais pas de mort. You need to destroy. Tu avances dans leur camp. You get into the camp. Je réclame ma famille. I claim my. Je réclame ma maison. I claim the. Je réclame ma paix. I claim my. Je réclame mon foyer. I claim my household. William Branham n'a pas prêché sa l'onction. Non. Il faut que l'onction soit là. Yes. Pourquoi le Saint-Esprit vient te donner? Pour te donner l'onction. To give you the anointing. Dans la prière. In the prayer. My. Une prière sans onction. The prayer is very anointing. Est une prière inefficace. Is an efficient prayer. Ça ne guérira même pas la mouche. It won't heal even the fly. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Une prière sans onction. The prayer is very anointing. Vaut mieux que tu ailles dormir. You better go sleep. Parce que ça ne fera rien. Because it won't do anything. Peuple de Dieu, vous êtes là. Quand tu entres dans la prière, il faut que le ciel descende. Yes. Faut que tu sens que la flèche. To feel the flesh. Tu sens la vibration. Aujourd'hui, c'est mon voyoka. You're touching it. Zamba Zalawa. God is right there. Zamba Zalawa. God is right there. Allez, tu avances. Okay, go on. Satan. Quel est ton mauvais? Sors de mon chemin. Pourquoi le Saint-Esprit tu l'as donné? Pour te donner la révolution. To give you the revolution. Tu dois être révolutionné. You have to be revolted. Pourquoi ma famille n'avance pas? Why my family doesn't? Pourquoi je n'ai pas l'onction? Why not advance? Pourquoi je n'avance pas? Why not advance? Je dois avancer. I have to move. 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 Oh my. Je pensais que je ne savais pas comment enseigner. C'est ça la manière. This is the way. Enseigner la parole. The word. Yes. La parole on l'enseigne avec l'onction. La parole. The way. On l'enseigne pas comme un mathématicien. Not like a mathematician. Pas comme un physicien. Not like a physicist. 12 plus 12. Okay, plus 12. Égal à 14. It's 14. Monsieur Katuka. Get out. Quel avant ma way. Lève-toi de mon chemin. Dieu doit devenir réel. L'onction est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Je parle un peu. Dieu descend. Je l'appelle. Dieu descend. Yes.
Yes, that's the way to go. Yes, yes, yes. Monsieur le prédicateur. Mr. the minister. Monsieur le prédicateur. Mr. the preacher. Monsieur le pasteur. Mr. the pastor. Les peuples de Dieu sont fatigués. The people of God have died. Arrêtez avec des discours. Stop with the speech. Arrêtez avec des citations. Stop with the quotes. C'est le temps de faire sortir Dieu de l'histoire. Call God out of history. Que Dieu devienne une réalité. Let God become a reality. William Branham. William Branham. Il a dit si vous avez Dieu. He said if you have God. Voilà un aveugle. Look at the blind. Le Dieu de défis. The God of challenges. Nous sommes tous les jours. We are every day. Et constamment. And constantly. Sur le Mont Carmel. On the Carmel Mount. Mont Carmel. Carmel Mount. Le feu doit descendre. The fire is to come down. Ou bien on a Dieu. Either we have God. Ou bien on n'a pas Dieu. Or we don't have God. Il n'y a pas de position intermédiaire. There is no intermediate ground. No. No, no, no. Ton fils à toi. Your own. Le lion vient. You come. Le lion vient. The lion comes. Il arrache ton enfant. He takes your child away. Il part avec lui. He goes with him. Toi tu restes là. He stays there. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Get out. Lâche. Coward. Lâche. Coward. Frère Branham a dit quoi? Frère Branham said what? Il a dit quoi? What did he say? Ton enfant, your child. Le lion vient. The lion comes. Il arrache ton enfant. It's not your child. Et toi tu restes là. And you stay there. Chérie, Annie, calme-toi. Just be at peace. Frère Branham a dit. Frère Branham say. Frère Branham a dit. Frère Branham say. Tu vois nous sommes dans le message. You see we in the message. Ce qui c'est qui moi na Branham. If it was Branham child. Angaga lo baki Paul lo baki. It said that Paul said. Soyez révolutionnés. Be revolutionary. Yes, revolutionary. N'acceptez pas la négativité. Don't accept the negativity. No. N'acceptez pas les problèmes dans ton foyer. The problems in your household. Quand ça ne marche pas, when it doesn't work, sachez qu'il y a une cause derrière. There's a cause behind. Mets-toi à genoux. Kneel down. Yes. Mets-toi à genoux. Kneel down. Yes. Seigneur, Lord, montre-moi pourquoi ça marche. Show me why it doesn't work. Je parle à toi, mon frère, qui m'écoute. Là-bas, l'internet. Entre dans ta chambre à coucher. Mets-toi à genoux. Kneel down. Le Seigneur. Yes, yes. Montre-moi qui est mon pasteur. Show me who is my pastor. Je besoin de connaître son état d'âme. I need to know his soul. Un vrai serviteur de Dieu. A true servant of God. Doit manifester Dieu. Yes, to manifest God. Yes, yes, yes. C'est la vérité. Il doit atteindre un niveau. Yes, to get to some. Le Dieu doit devenir réel. May God God become. C'est ça le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé. Yes, 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 yes. Completely right. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Il y a des pasteurs sorciers. The pastors sorciers. Yes, des pasteurs qui deviennent des maris de nuit. They become husbands of night. Yes. Des sœurs dans l'église. The sisters in the church. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Et il ne veut pas que nous disions la vérité. Tokoloba. We gonna talk. Tokoloba. We will talk about it. Chers frères et sœurs. Dear brothers and sisters. Vas-y prier. Go and pray. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la révélation. I need you to give me the revelation. C'est qui est en train de me prêcher? Who's preaching me? Yes. Si tu es sincère. If you're sincere. Dieu te le montrera. God will show you. Dieu te le montrera. God will show you. Nous, on n'a pas peur de le dire. We're not afraid to say. Tu vas aller prier. Go and pray. Dieu vous montrera qui je suis. God will show you who I am. Je viens de Maluku. I'm coming from Maluku. C'est le pasteur Jacques Bondombe. Pasteur Jacques Bondombe. Avant que j'arrive. Before I get there. Un frère. One brother. Dieu lui a montré pendant toute la nuit. God showed him all night long. Qui était à ta piste. Who was at a piste. Toute la nuit. All night long. Dieu lui a montré qui j'étais. God showed him who I was. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Yes. Allez-y prier. Go and pray. Seigneur. Lord. Mais qui est ce pasteur devant moi? Who is that pastor in front of me? Depuis qu'il a commencé, il n'y a pas de réveil. There's no revival. Il n'y a pas de Saint-Esprit. No Holy Spirit. Il n'y a pas de don. No gift. Il est complice. He is a complice. Yes, yes, yes. Il est complice. He is a complice. Yes. Oh, que Dieu m'aide. May God help me. Que je descende un peu pour enseigner. A little bit to teach. Frère, brother, le Saint-Esprit, Holy Spirit, c'est la colonne vertébrale. It
the spinal cord. Dans une église, in a church. C'est le souffle dans les poumons de l'église. The lung in the church. C'est le sang that qui circule dans les veines de l'église. Sans le Saint-Esprit, l'église est morte. The church is dead. La religion est nulle. Religion is null. Yes, yes. Le Saint-Esprit est très important. The Holy is very important. Yes, so important. Il vous prêche, vous dormez. He preaches to you, you sleep. Il vous prêche, vous dormez. Preaches to you, you sleep. Il n'a pas Dieu. He doesn't have God. Sortez du milieu d'eux. Leave among them. Yes. Attends, Salomaka. Arabic speaks. Ah, je dirais ça. I will say it. Tu es dans une église. You are in a church. Tu vois les pasteurs suspects. You see the pastors suspects. Sortez de cette église. It's a church. Il te donnera quoi? What is he gonna give you? La Bible dit on donne que ce qu'on a. Bible says you give only what you have. That's right. Yes. Yes. Si le magicien te donnera la magie. If the magician is gonna give you the magic. Yes. Sous couvert, Frère Branham a dit. Yeah, problem say. Frère Branham a dit. Problem say. Frère Branham a dit quoi? What did problem say? Il a dit quoi? What did he say? Il a dit quoi? What did he say? Yeah. Cette femme-là a suspendu la chaise. That woman put the chair up. La chaise était suspendue. The chair was standing up. Cette femme-là était magicienne. That woman was a magician. La chaise était là. The chair was there. Il a défié tout le monde. Oh, my challenge. Si vous avez Dieu, if you have God, fais descendre la chaise. Fix on the chair. Le prédicateur a échoué. The preacher's faith. Je le sens bien. Alléluia, very well. Le prédicateur a échoué. The preacher's faith. Le prédicateur a échoué. The preacher's faith. William Branham est venu. William Branham est venu. Alléluia. Il a dit au nom de Jehovah Rapha, chaise descendait, la chaise était là. Au nom de Jehovah Shammah, chaise descendait, la chaise était là. Panama a changé. Il a fait entre les quatre fantômes. Oh my brother, the four wheel drive. Le nom de Branham ne sauve pas. Branham est un homme. Il n'a jamais eu la plénitude de la divinité. Un pécheur sauvé par la grâce. Yes. Je me sens bien. I'm feeling well. Je me sens bien. I am feeling well. Je me sens bien. I'm feeling well. William Branham a dit. The problem say. Tu as chaise. You chair. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Descendez. Get down. La chaise est descendue. The chair came down. Avec une vitesse pour casser les jambes. You need to break people's legs. Oh, moi, je prêche le message. I preach the message. De Malachi 4 of Malachi 4. Si Dieu ne te confirme pas, Dieu ne te connaît pas. God does not know you. Separate. Oh, mon ministère. Oh, my ministry. C'est la mathématique. The mathematics. J'explique la mathématique. I explain the oh, j'explique Dieu. I explain God. 48 plus 48. 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 Forget it. Monsieur, sir, nous voudrions voir Jésus. Oui, sir, we would see Jesus. Monsieur, sir, montre-nous le Père. Show me the Father. Et cela nous suffit. And that is sufficient to me. Vous venez de voir le Père. You've just seen the Father. Vous venez de voir le Père. You've just seen the Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Vous venez de voir le Père. You just see the Father. Vous venez de voir le Père. You see the Father. Le Père n'est pas loin de toi. Father is not the Father. Pendant que je prêche, what a preaching. Le Père est à côté de toi. Father is in your side. Seigneur Jésus. Le Père est à côté de toi. Father is in your side. Je défie tous les esprits. Challenge the spirit. Alléluia. I challenge the spirit. Tu tombes de tes mains dans l'enfer. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Seigneur Jésus. C'est ta délivrance. C'est ton élévation. C'est ta bénédiction. C'est ton élévation. C'est ton élévation. I believe that. Comment? I come. Oh my, praise the Lord. Je ne sais même pas où commencer. Oh my, I don't know where to start. Hallelujah. Oh my, praise the Lord. Je ne sais pas par où commencer. I don't know where to. Hallelujah. Where to start? Le Saint-Esprit est une réalité. What is a reality? Pourquoi le Saint-Esprit? What was the a-t-il été donné? Was given. Come on now, come on now. Il a donné l'onction. To give you the anointing. Yes, yes, yes. Un chrétien sans onction. A Christian with no anointing. Tu es un soldat qu'on a désarmé. You are a soldier that has been disarmed. Chaque jour, every day, tu dois avoir l'onction. Yes, yes, yes. Tu veux ça? Do you want it? Tu veux ça? Do you want it? Yes. Est-ce que tu es sincère? Are you sincere? Alors, recevez cela au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Je le reçois.
tu devais avoir l'onction. Vous n'êtes pas des civils. You are not civilians. Non, vous êtes des soldats. But you are soldiers. Bien entraînés. Well trained. Pour aller au front. To go to the battlefront. Pour aller vous battre. To go fight. Vous devez ramener la victoire. You have to bring back the victory. La victoire. The victory. Yes, yes. Tenez-le chaque jour. Tenez la victoire. Yes. Oh my, hallelujah. Je me sens bien. I'm feeling well. Yes. Je ne sais même pas où commencer. I don't know where to start again. Oh ma. My. Je dois avancer. I have to move forward. Yes. Le yes. Saint-Esprit. The Holy Spirit. Frère Bonamadi. Brother, I'm saying. Jésus a dit. Jesus said. Le grain qui est tombé en terre. The grain that fell in the ground. Ce grain-là doit mourir. That grain is to die. Yes, yes, yes. Et quand ça va mourir, when it's gonna die, ça va produire le grain. That will produce the grain. Yes. Et les grains qui seront produits, the grain that are going to be produced, le fruit qui seront produits, the fruit that are going to be produced, doivent être exactement. Yes, they have to amen, amen, they have to do it exactly. Je ne dis pas oh, à peu près. Not kind of. No. Oh, à peu près. Kind of. Il n'y a pas d'à peu près. There is no kind of. Exactement. That exactly. Le grain qui était tombé par terre. The grain that fell on the ground. Vous croyez à ça? Do you believe that? Jésus était tombé en terre. Jesus fell on the ground. Ce grain là, c'est Jésus. That grain is Jesus. Yes. Il était mort. He died. Sa mort était constatée. His death was noticed. Il devait commencer à pousser. He was to grow. Il a poussé. He grew. C'était, je crois, la tige. Hein? Yes. That was the stalk. Luther. Luther. Il est sorti. Came out. La justification par la foi. Justification by faith. Frère Branham a dit. Frère Branham said. C'était l'ombre du Saint-Esprit. The shadow of the Holy Spirit. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ça a continué. That continued. C'était devenu quoi? Les grêtes. Yeah, that became the flower. Wesley. Wesley, yes. C'était la sanctification. That was the sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. No one is going to see God. Frère Branham a dit. Frère Branham said. L'église luthérienne. The Lutheran Church. A produit l'église wesleyenne. Produced the Wesleyan Church. Et c'était l'ombre du Saint-Esprit. That was the shadow of the Holy Spirit. Frère Branham a dit. Frère Branham said. Chez Luther. With Luther. On n'a pas demandé les œuvres. They didn't ask the works. No. No. Au temps de Wesley. In time of Wesley. Non, il n'y en avait pas. No, there was none. Mais ça a poussé. But it grew. C'est devenu quoi? La balle. It became the chalk. Praise the Lord. Feywana. That whole thing. Et c'était la Pentecôte. That was the Pentecost. Les Pentecôtistes. The Pentecostals. Ils ont eu les dons. They had the gift. Yes. Le yes. Parler en langue. Yeah, the speaking tongues. Et les gens se sont organisés. And people organized themselves. Ils ont dit on a le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Non, le don c'est pas la preuve du Saint-Esprit. The gift is not the proof of the Holy Spirit. No. Non. Hallelujah. Frère mon ami. Oh my brother, from say. C'était toujours non. That was still the Holy. Yes, that's right. Du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit, that's right. Qui devait produire. Oh my, come on now, something. Come on now. Praise the Lord. Vous êtes avec moi. Are you to yeah. Qu'est-ce que ça devait produire? What was it to produce? Come on now. Ça devait produire. That was to produce l'épouse. The bride. Que vous êtes. That you are, yes, oh my. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you to yes? Et l'épouse. And the bride. Ce n'est pas l'ombre du Saint-Esprit. Not the shadow of the Holy Spirit. No. Mais c'est la plénitude. But it's the fullness. Si vous ne comprenez pas, posez-moi une question après. Ask me the question after. L'épouse, the bride, n'a pas une portion. Doesn't have a portion. No. Elle n'a pas l'ombre. Doesn't have the shadow. Non. No. L'épouse, the bride, plus l'époux, plus the groom, égal à un. One. L'épouse, the bride, a reçu, has received, la perfection du Saint-Esprit. The perfection of the Holy Spirit. La plénitude du Saint-Esprit. The fullness of the Holy Spirit. Problem said. Dans cet âge. In this age. Nous avons avancé dans une très grande lumière. Yes. We have moved on in a great light. Et nous sommes de loin meilleurs que les Pentecôtistes. Yes, and we are way better than the Pentecostal. Yes. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'écouter leurs chansons. It's worthless to listen to the song. Yes, that's why. Yes. Sans ça, rien d'écouter Marie Michel. It is worth. Yeah, to listen to Marie Michel. Elle t'amènera en enfer. She will take you to hell. That's right. Yes. C'est vrai. C'est la vérité. Je vous dis vrai. Attendez, c'est la vérité. Yes. Il faut aussi regarder l'emballage qui amène les dons. Oh my, you need to look also at the wrap that is wrapping the gift. Emballage, l'anglicola, il bout. Oh my, the wrapping the
She put red, red and chocolate. Jesus. Get out of Jesus. Tell Jesus. What with Jesus? He devait commencer par changer ta vie. Yes, yes. Come on. Go ahead. My. Branham a raison. Branham is right. Viens, on te voit. Branham a raison. Branham is right. Branham is right. He's right. Yes. Yes. Nous dépassons les pentecôtistes. We are better than the Pentecostal. Très loin. From far. On n'a pas seulement on a pas seulement les dons. We don't have only the gift. Mais on a les donateurs. Oh my, we have the gift. Yeah. Nous savons la chose. We have that element. Dosana est loco. We have that element. Pas l'ombre. Not the shadow. Mais la personne même du Saint-Esprit habitant dans l'homme. Of the Holy Spirit dwelling in a man. C'est exactement vrai. C'est la vérité. Attends, il y a exactement vrai. La personne du Saint-Esprit. The person of the Holy Spirit habite en toi. Dwelling in you. Yes. Il a besoin de décorer l'église. He wants to decorate the church. Il entre dans ton corps. He gets in the body, God. Quand toi tu penses que c'est moi, ce n'est plus toi. It's not you. C'est Dieu. That's God. Je peux entendre ton nom. Can I hear you? Il veut aider quelqu'un. Il entre en toi. He gets in you. Quand tu penses que c'est moi, he thinks me. Je veux recevoir la sœur Rachel. I'm going to receive your sister. Yo, quand recevoir Rachel. Can you receive Rachel? Dieu lui-même. God himself. Dieu lui-même. God himself. C'est ce qui fait que vous ne connaissez pas les gens. What makes you to not know people. Mais vous les recevez chez vous. But you receive them at your place. Qu'est-ce qui fait ça? What does that? C'est Dieu lui-même. It's God himself. Vous êtes avancé. You are advanced. Plus que les pentecôtistes et les pentecôtistes. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Spirit given? Pour nous amener à la perfection. To take us to the perfection. I say amen to that. Pour provoquer l'enlèvement. To provoke the rapture. La résurrection. The resurrection. Sans toi. Without you. Il n'y a pas d'enlèvement. No more. The, no rapture. Sans toi. Without you. Pas d'enlèvement. No rapture. Dis à haute voix sans moi. Say aloud without me. Pas d'enlèvement. No rapture. Pas d'enlèvement. Je me sens bien. I'm feeling well. Je suis perdu dans mes citations. I'm lost in my quotes. C'est pas un problème. No problem. Pourquoi le Saint-Esprit vient en toi? Why does the Holy Spirit come to you? C'est pour t'aider. It's to help you. Pour vaincre le mal. To overcome evil. Pour vaincre le péché. To overcome the sin. Toi, tu ne peux pas vaincre. You cannot overcome. Tu es un échec pour you commencer. You are a failure to begin with. Tu as besoin de quelqu'un qui est plus fort. You need somebody that will show you. C'est quelqu'un-là. That someone. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. C'est l'homme fort. That the strong man. Frère Namadi. Brother say. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. The Holy Spirit comes to live in you. Pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. To remove from you all this I cannot. Hein, frère José. Brother José. Pasteur, moi je ne peux pas aimer ma femme. But I cannot love my wife. En tout cas. Get out. Tu peux. You can. Yes. Yes, sir. Parce que moi je ne peux pas être soumise. Tu vois, je n'arrive pas. Ah, tout est la route. Get out. Tu peux être soumise. You can be submissive. Parce que moi je n'arrive pas à honorer mes parents. But I cannot honor my parents. Qui t'a dit? Who taught you that? Tu peux. You can. Le long dans le bien, on a encore tu peux. Today I say purposely, you can. N'encore. Purposely. Je vais honorer mes parents. I will honor my parents. I will do it purposely. Comment? How come? Toi, tu n'es pas fort. You're not strong. No. Mais l'homme le plus fort est en toi. But the strongest is in you. Comment tu vas échouer? How are you gonna fail? Impossible. L'homme le plus fort. The strongest man. Quand il vit en toi. When he lives in you. Lui, il a déjà vaincu. He's already overcome. Hallelujah. Praise the Lord. He's the mighty conqueror. Oh, il est le puissant vainqueur. Il a vaincu. He overcame la tentation. The temptation. Le diable. The devil. Il est allé dans le séjour de mort. Went in hell. Il a dit Satan. He says it. Katuka. Get out. Allez, give me the keys. Donne-moi les clés. Et Frère Benham a dit. Bible say. Il est rentré avec la clé. Came back with Alléluia, the key. Prends la clé. Alléluia, take the key. Prends la clé. Take the key.
Il a dit quand le tentateur viendra. So when the tempter is si te fait boum, if it does boom to you, ne jouez pas. Don't play. Vous me demandez, pasteur. Tell me, pastor. Comment tu as appris qu'au papa? How did you learn how to destroy? Yo gande na ekola kyo. Listen, I learned it. Si le diable te fait boum, the devil does boom. Quand c'est fait lui boum, you do boom. Oh no no. No 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 no. FMA. No, 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 no. On répond les bouts avec le but. No, 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 no. Frère Jérôme. Brother Jérôme. On répond les bouts avec le but. You do boom with boom. Frère Jérôme. Brother Jérôme. On répond les bouts avec le but. You do boom with boom. Il a dit s'il fait boom. Il fait les boom. Pas faire le boom. S'il fait boom boom. Il fait boom. Pas faire le boom 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 boom. Il va reculer. Il reste pas. Le Saint-Esprit est venu pour te donner la capacité de vaincre. To overcome. Tu marches comme un puissant vainqueur. Look like a mighty conqueror. Tu vois un problème t'arriver. You see a problem coming to you. Tu dis ça? You say this. C'est facile, je peux vaincre. It's easy, I can overcome that. Problème, attends-moi là-bas. Problem, je parle d'abord prier, je viens. I'm going to pray, I'm coming. Tu vois l'enfant malade? You see the threat, tu dis ah ça? Say, hey, c'est un petit démon. That's a little demon. Attends-moi là, j'arrive. Wait for me, I'm coming. Je vais te chasser. I'm going to cast you out. Enfin, le diable c'est un intimidateur. The devil is a bluff. C'est épouvantail. He's a scarecrow. Il fait là, il essaie seulement de te déranger là. Just to start. Oh, tu ne seras pas. You can't. Tu ne seras pas en question. You cannot get under the. Satan sous mes pieds. Satan under my feet. Quand je suis venu, j'étais faible. When I came, I was weak. Là au bureau, j'étais faible. Then in the office, I was weak. Je me disais, moi, je veux prêcher moi. I said, I'm going to preach. Est-ce que je saurai prêcher? Am I going to be able to preach? Maintenant, qui est en train de prêcher? Now he's preaching. Ça, c'est le diable qui vous prêche? The devil preaching? No, 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 no. Diable, ça n'a zéro dans la tête. The devil got zero with ears. Peu importe ses intimidations. Doesn't matter his bluff. Aimer, tu es vainqueur. Aimer, you are a conqueror. Ruth, tu es vainqueur. You are a conqueror. Becky, tu es vainqueur. Becky, you are a conqueror. Naomi, tu es vainqueur. Naomi, you are a winner. Puissance, tu es vainqueur. Yes, you are a winner. Shule, tu es vainqueur. You are a winner. Joseph, tu es vainqueur. Yes, you are a winner. Faut dire au diable, tu as déjà échoué. The devil, you have already failed. Je vais te conseiller d'avoir la croix dans ta maison. Même une petite croix. Even a small one. Ayez ça quelque part. Have it somewhere. Si le diable veut te déranger, tell him devil, viens. Tell him devil, come. Viens. Come on. Viens ici. Come on here. Regarde ici. Look here. Ici là. Here. Tu avais échoué lamentablement. You failed really big time. Tu avais échoué là-bas. You failed over there. Comme Kanangate. Don't even try with me. Si tu veux des problèmes, rentre là-bas là où tu essayes. Rentre là-bas là où tu essayes. Go back where you tried. Vous là, c'est comme si vous n'êtes pas fatigué. Hein? It's like you're not even tired. Bientôt, ça sera minuit. As soon as it's gonna be midnight. Le Saint-Esprit vous a été donné. The Holy Spirit was given to you. Pour faire de vous des vainqueurs. To make of you conquerors. Pour vaincre la cigarette. To conquer the cigarette. Pour vaincre le fausseté. To conquer the false thing. Pour vaincre le pantalon de femme. To conquer the pants of women. Pour vaincre le commérage. To conquer the gossips. Virgile. Comment? Qui de vous peut vaincre le commérage de lui-même? Who among you can overcome the gossips? Qui peut vaincre les critiques ici? Who can overcome the critics here? Tu vas essayer, n'a pas ça. You're gonna try me really. Coton n'a pas un alapi. To gossip, it's over with me. Maybe by ye. Tomorrow somebody comes. Ah! Yeah. Ezango coton n'a te. I am not gossiping. Mais c'est one of mama kambasa. That sister, the thing that you did. You probably eh? You say oh. Coton n'a pas sauté. We are not gossiping. Mais mama kambasa la ki eh? The thing that you did. Otongi déjà. You are already gossiping right there. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Quand l'autre viendra dire ton tonga, le Saint-Esprit dira bonjour tonga. He's gonna yes, you are gossiping. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say I say amen. Le Saint-Esprit c'est votre tour de contrôle. The Holy Spirit is your tower of control. Quand le Saint-Esprit là, when the Holy Spirit is there, ça te contrôle. That controls you. Ça te contrôle. That controls you. Tu veux faire quelque chose de something. Le cœur dit non. The heart says no. I say no. Je dis non. Non, 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 non. No. N'y allez pas, n'y allez pas. Don't you go, don't go.
C'est ça le but pour lequel the purpose why le Saint-Esprit vous a été donné. The Holy Spirit was given to you. Pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné? Why was the Holy Spirit given to you? C'est pour vaincre. It's to overcome. C'est pour vaincre. It's to overcome. C'est pour vous créer un monde à vous. To create you a world on your side. Et y habiter. And to dwell in there. Quand on dit que là-bas, when they say there, les gens ne progressent pas. People don't progress. Toi tu viens, tu dis non. Then you say no. Moi je ne suis pas les gens. I am not those people. Moi je suis moi. I am me. Tu as bien dit les gens. You say people. Moi je suis ni les gens. I am not the people. Ni les Mathieu. I am not. Ni les Jacques. Not the James. Moi je suis moi. I am me. En Amérique. In America. Liban a passé. The marriage is different. Tu as dit en Amérique. You said in America. Tu n'as pas dit dans ma vie. You didn't say my life. Ma vie c'est la vie d'un vainqueur. My life is the life of a winner. A winner. A winner. And a vainqueur. A winner never quit. Ah, that's right. Un vainqueur n'abandonne jamais. And a quitter never win. Ah, et quelqu'un qui abandonne ne gagne jamais. Oh, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Vous qui soutenez ces paroles. You that support this word. Vous qui êtes debout là. You that is standing there. Recevez la double portion. Receive the double portion. Tout ce que vous avez besoin. That you want. Que Dieu vous l'accorde. May God grant it to you. Vous qui êtes dans la joie. You that receive. Recevez la double portion de la joie. Double portion of the joy. Oh my. Comment je me sens bien. I'm feeling well. Je me sens dans la joie. I'm feeling in a joy. Je me sens dans la joie. I'm feeling in a joy. Alléluia. Praise the Lord. Donnez à Dieu des acclamations. Give to God applause. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour faire de toi fort. To make of you a strong man. Toujours positif. All the time positive. Always positive. Toujours positif. Je dis bien toujours. I'm talking about always. Bano yanga. My children. Makobonga. They're gonna be fine. Toujours positif. Always positive. On a dit que non. Ils ont échoué. They fail. Qui? Who? Tu as dit ils. You said they have. Tu n'as pas dit mon enfant. You didn't say my child. Mon enfant a un nom. My child has a name. Des fois vous ne comprenez pas les français. Sometimes you don't understand French. C'est ça votre problème. That's your issue. On dit en Amérique. That means in America. Il n'y a pas de travail. There's no job. Donc si tu dis ah vraiment. You say rich. Je dois fuir Charlotte. On a dit Charlotte. Charlotte. Il n'y a pas de travail. There's no job. Lâche. Coward. Lâche. Coward. Pierre. Coward. Dieu lui a dit Pierre. Jette le filet. Let down the net. Pierre a dit ah. Pierre a dit ah. Toute la nuit j'ai été ici. All night long I've been here. Il n'y avait pas eu de travail. There's no job. Pierre. Peter. Ngande na lobby. I'm the one saying it. Jette le filet. Let down the net. Pierre a dit non pas sur ma parole. Peter said not at my word. Mais sur ta parole. But upon thy word. Je vais jeter le filet. I will let down the net. Est-ce que je vais changer la ville? Am I going to change the city? Je vais changer la femme. Am I going to change the wife? Chérie, I'm going to be fine with you. On n'a pas de choix. We don't have any choice. Josie, where are you? He's going to be fine with you. You don't have another wife. Jules nous a condamné. Jules you condemned. Kakana n'a dit. Only with Ned. Eko Simba. He's going to be fine. Wapi Shadrach? Where is Shadrach? Oko Simba kakana Sarah. Only with Sarah he's going to be fine. Oko changete. He's not going to change. Oh non, on n'a rien dit. We didn't say anything. Vous ne changerez pas. You're not going to change. Kakawa. Only here. Kakawa. Only here. Oh non, il n'y a pas d'intelligence. Only here. Oh, you get it. Mais nous avons un Dieu. We have God. Yes. Moi, je ne doute pas de mon Dieu. I don't doubt my God. No. Il est capable. He's able. D'envoyer les hommes ici. To send people here. Pour marier ses filles dans ses églises. To marry of his church. Dieu est capable de le faire. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? What can stop him? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Rien. Absolument rien.
On doit marcher avec la foi. We have to walk with faith. On doit croire à l'invisible. We have to believe in the invisible. Croyez. Believe me. Faut dire c'est mon Seigneur. Yes, je crois. I believe. Lord, I believe. Rien n'est impossible. Nothing is impossible. Dieu n'est pas lié au temps. God is not bound to the time. No. Il est le maître des temps. The master of time. Le maître des circonstances. Il te connaît. He knows you. Il connaît. He knows. Il sait. He knows. Comment il le fera? How he's going to do it? Quand est-ce qu'il le fera? Where he's going to do it? Faites-lui confiance. Trust him. I trust him. Tu peux dire ça? Can you say it? Yes, I trust you. Je te fais confiance. Lord, I trust you. Je te fais confiance. I trust you, my Lord. Même si ça ne marche pas. Even though it doesn't work. Joyce, il faut lui dire papa. Joyce is going to say I still trust you. Je te fais toujours confiance. Je te fais toujours confiance. I still trust you. Ça marchera. It's going to be fine. Eko Simba. It's going to be fine. Eko Bonga. It's going to be fine. Eko Bala. You're going to get married. Eko Bota. You're going to have children. Eko Zwambongo. You're going to have money. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. J'ai fini. I'm done. On va continuer demain. Shall continue tomorrow. C'est glorieux. That's amazing. Amazing. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour enlever les hésitations. To remove the hesitations. Est-ce que Simba? Is it going to be fine? Est-ce que Simba? Is it not going to be fine? Is it going to be fine? Go, move on. I see, let me try. No, chez Dieu, il n'y a pas de Nameka. He says, not try. Chez Dieu, c'est ça là. With God, just to do it. Sors le matin, va chercher le travail. Go in the morning, go find the job. Il y a une écriture qui te soutient. There are the critics support. L'homme ne mangera pas la sueur de son front. Man is going to eat by the... Réveille-toi le matin, lis ça. Just read it. Dis, papa, tu as dit. Say, Lord, you see. Je ne mangerai pas la sueur de mon front. I'm going to eat by the sweat of my forehead. Okay, Luca. I'm going to find... Yes, yes. Na quel Luca? I am going to look for and find. Et là toi-même dis ce que tu veux. Yourself say what you want. Nana comme un manager. Let me become a manager. Nana comme un boss. I want to become a boss. Na fatigué ma pinda nga mi sala. Try to be safe. Nana gauche. Don't let it do this. You're right. Come on. Ah, j'ai envie de prêcher. I want to preach. J'ai envie de prêcher. I feel like preaching. Oh my. Elohim, je vois la foi. Shaddai, je dois avancer. I have to advance. Je dois être la tête. I have to be the head. Yes. Voilà, not the tail, no, no, no. Condamné. Condemned. Condamné. Condemned. Je suis condamné. Je suis condamné. Condemned. Condamné. Condemned. Dis toi-même, je suis condamné. Je suis condamné. Je suis condamné. Je suis condamné. À être la tête. To be the head. To be the head. Jamais la queue. Never the tail. Toujours avancer. Never the time to move. Jamais reculer. Never step back. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Oh my! Le Saint-Esprit vient pour t'adopter. The Holy Spirit comes to adopt you. Quand il t'adopte, when he adopts you, il prend, il te donne sa signature. Gives you signature, yes, the signature. Ce que toi tu lis, what you bind, c'est lié là-bas. It's bound there. Ce que toi tu délis, what you unbind, c'est belé là-bas. It's unbound over there. C'est à toi la décision. The decision is yours, brother. De décider pour tes ennemis. Decide for your enemies. Si tu veux la liberté, you want their freedom. Tu les délies. You unbind them. Si tu veux aussi les lier, you want to bind them. Oh my. Quelqu'un m'a dit pasteur. Someone told me pastor. Ça me vient tout de suite là. Just coming right away to me. C'est un frère qui m'avait posé la question là. A brother asked me the question, brother Thierry. Il dit pasteur, mais la Bible dit faut pardonner. The Bible says you have to forgive. Mais quand toi tu dis là, il faut te pardonner. But when you say we need to destroy them. La Bible dit pardonner, mais la Bible says forgive your enemies. Voilà la réponse. Look at the answer.
Dieu a vu. God saw. Que le diable va déranger ses enfants. The devil is going to bother his children. Il est monté sur la croix. He went up on the cross. Il a payé. He prayed. Vous êtes avec moi? Are you with me? Là, c'était le gros plan de la vision. That was the big picture. Mais il y avait aussi les détails de la vision. There were also the details of the vision. Les détails, c'est qu'il est allé dans le séjour des morts. He went in hell. Et là-bas, et bien, alléluia. Frère Manama dit, Brother Manama say, Dieu lui a donné un coup fatal. God gave him a fatal hit. Ouais, ça, vous papatez. That's not the show. Oh! Jésus lui a arraché les clés. Jesus snatched him the key. Frère Manama dit, vous ne savez pas arrêter là. He didn't stop there. À Zongissima. Oh, he came back. À la tête qui soulevait moi et bien. He had the night shield. Satan. Satan. A tout dîner. He kicked him. Va te mettre là-bas. Go to sit over there. Vous ne savez pas arrêter. That's not to destroy. Dieu. God. T'as déjà donné la victoire. Already given the victory. Yes. Pourquoi le Saint-Esprit t'a donné? Why was the Holy Spirit given to you? C'est pour être fort. It's to be strong. Ne jamais reculer. Never step back. Toujours de l'avant. All the time moving. Toujours avec de bonnes All paroles. All the time with good words. De bonnes paroles, je dis. Good words I'm talking. Ne dis pas que cet enfant ici, to this child, really. C'est comme si c'est lui qui me donnera des problèmes. He's going to give me trouble. Mais il faut dire que cet enfant ici, this child, il est ma bénédiction. My blessing. Je veux vous rappeler seulement ce que j'avais dit. Remind Dieu nous avait dit l'autre fois. Et je vais m'arrêter par là. Stop there. Quand la semence est jetée par terre, when the seed is thrown on the ground, ça doit mourir. There's to die. Quand cette semence-là est en train when de mourir, is dying, c'est noir. It's black. Là, ça ne marche plus dans ta vie. It doesn't work in your life. Là, tes prières, c'est comme si ce ne sont plus exaucées par Dieu. They're not answered by God. Là, tu sens comme si Dieu t'a abandonné. Feel like God has abandoned you. C'est quand ce grain-là est en train de mourir. The grain is dying. C'est quand le grain est en train de pourrir. The grain is rot. Or, selon la loi de la création, la loi de la reproduction, the law of the reproduction, il faut que la semence meure. The seed has to die. Là, la semence est morte. The Elle dead. Est morte. It's dead. Elle a péri. It perished. Ah oui, ici, c'est l'heure la plus sombre de ta vie. It's the darkest hour of your life. Mais sachez que, but know that, au bout d'un certain temps, after some time, cette semence qui a fait pourri là, that's, that is rotten, va commencer à germer. We start growing. Vous comprenez ce processus? Do you understand that process? Quand ça ne marche pas, when it doesn't work, c'est le début de l'accomplissement de la réponse de ta prière. Of the answer to your prayer. Là, tu vois que l'enfant devient de plus en plus petit. More and more stubborn. C'est la semence qui est en train de mourir. And the seed that is dying. Et après un certain temps, after some time, ça va revenir à la vie. That will come back to life. Tu ne seras plus, tu seras pas toujours dans le pleurs. Il y a un temps pour tout. There's a time for all. Il y a un temps de pleurer. Time to cry. Il y a un temps de se réjouir. The time to rejoice. C'est comme comme une angala à cause là. Now you're in the time of rejoice. Yes. Yes, sir. Yes. Vous êtes dans la saison. You are in the season. You are in the season. Vous êtes dans la saison. Yes, yes. C'est le moment. It's the time. C'est comme nous chantons. As we sing. Seigneur, c'est le moment. Lord, it's the time. Oh my. C'est le moment de la bénédiction. The time for the blessing. C'est le moment de l'élévation. Time for the elevation. Come on. Seigneur, c'est le moment. Lord, it's the moment. Seigneur, c'est le moment. Lord, this is the time. Seigneur, c'est le moment. Lord, this is the time. Obed, viens jouer pour moi. Come on, play for me. Alléluia! Acclamez très fort pour notre Dieu. Give a round of applause for our God. Pourquoi le Saint-Esprit il était donné? Why was the Holy Spirit given? Pour t'aider à saisir le moment. To help you to seize the moment. To help you to catch the vision. Ah, pour t'aider à saisir la vision. Saisissez la vision aujourd'hui. Catch the vision today. Tu as trop pleuré. You have cried too much. Tu as trop pleuré. You have cried too much. Dieu ne se contente toujours pas de tes larmes. He's not happy of your tears. Dieu veut que tu te réjouisses. God wants you to rejoice. Hein?
La peur, c'est la malédiction. The fear is a curse. C'est la malédiction. That's a curse. C'est la malédiction. That's a curse. Tu n'as pas été appelé pour avoir la peur tous les jours. The fear every day. Chaque chose a son temps. Each thing in its time. Seigneur, hier j'avais pleuré. And yesterday I cried. And today is the moment. Aujourd'hui c'est le moment. Seigneur, this is the moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Lord, it's the moment. C'est le moment de me bénir. This is the moment to bless me. C'est le moment de me lever. The moment to raise me. C'est le moment de me répondre. The moment to answer me yes. C'est le moment de me visiter. The moment to be visited. C'est le moment de le faire. Time to do. C'est le moment, Seigneur. This is the moment. Seigneur, c'est le moment. Lord, this is the moment. Seigneur, c'est le moment. Lord, Seigneur, c'est le moment. Lève-toi là où tu es. Stand where you are. Lève-toi et crie à haute voix. Stand and shout aloud. Lord, this is the moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Lord, this is the moment. Seigneur, réponds-le. Seigneur, accorde-le le désir de leur cœur. Jésus, console leur cœur aujourd'hui, console leurs âmes, guéris les pères, délivre-les Seigneur, et accorde à chacun le désir de son cœur, au nom de Jésus-Christ, tu ne rentres pas vide, tu rentres rechargé, soyez rechargé. Service de ta main. Soyez rechargé. Soyez rempli de l'onction de Dieu. Soyez rempli de la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Ils sont bénis Seigneur. Ils sont à toi ce soir. Accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Accorde à chacun selon sa prière. Accorde à chacun selon la quantité de sa foi. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris, que les faibles soient forts, que les pauvres deviennent riches, que les découragés deviennent encouragés. Et rentre avec tes pères jusque dans leur maison pour ta servir et pour te donner. Au nom glorieux précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié avec foi. Et tous les saints vont dire Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu.